Et je suis là pour vous dire ce soir que vous avez un Dieu qui vous aime et qu'il y a une guerre qui se déroule dans les lieux célestes. Nous sommes dans une guerre, mais nous ne devrions jamais être si insensés pour penser que Dieu ne nous a pas laissés équiper. Vous ne devez jamais craindre le diable, vous ne devez jamais rien craindre de ce qu'il essaye de vous faire, car vraiment et sincèrement, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de ce que vous endurez en ce moment, vous ne devez pas croire que vous êtes la queue de quoi que ce soit, car la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Vous dites, eh bien, ce n'est pas ce que je sens. Vous ne devez pas suivre vos sentiments. Tenez-vous ferme dans la parole de Dieu et dites, la Bible dit... Que même au beau milieu de mes batailles, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au beau milieu de vos batailles, n'oubliez jamais que Dieu vous aime profondément, énormément, et qu'il a un très bon plan pour votre vie. Il y a des personnes, ici ce soir, vous devez prendre ceci et vous devez l'avaler. Ne le laissez pas voler par-dessus votre tête. Vous avez des choses qui se passent, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous faites face à des choses et vous êtes, vous savez, hmm. peut-être que vous êtes venu ici ce soir avec l'espoir que je vous remontrerai le moral et je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux vous équiper et que vous arriverez par la parole de Dieu au point où vous ne serez pas toujours celui qui doit être encouragé, mais celui qui encourage les autres. La seule raison pour laquelle nous déprimons tellement quand nous avons des problèmes, c'est que nous craignons de ne jamais pouvoir nous en débarrasser. Nous craignons de ne pas avoir ce que nous voulons dans la vie ou de devoir attendre beaucoup plus longtemps que nous ne croyons que nous pouvons attendre. Nous croyons que ce que quelqu'un nous a fait nous est injuste et il se peut que ce soit le cas. Mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supportera pas que les gens blessent ses enfants. S'il demeure ferme dans sa parole. Si quelqu'un me blesse et que j'ai une attitude amère et que je refuse de lui pardonner, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me délivre. Je ne verrai pas la justice de Dieu dans ma vie si j'ai cette mauvaise attitude. Mais si par sa grâce je joue le rôle qu'il m'a demandé de jouer, Dieu me rendra toujours justice dans ma vie, et il vous rendra toujours justice dans votre vie. Écoutez-moi, si quelqu'un vous a blessé, Dieu est un Dieu de justice, et il vous rendra le double pour vos ennuis si vous tenez bon dans sa parole. Est-ce que vous me comprenez Vous devez comprendre ça. Vous êtes plus que vainqueur. Peut-être que vous pensez en ce moment que vous êtes en bas, mais la Bible dit qu'au beau milieu de toutes ces choses, non pas quand elles sont finies, mais au beau milieu de toutes ces choses. Et c'est le meilleur moment pour ouvrir votre bouche et dire, « Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. » As-tu entendu ça, diable ?« Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. » La tête et non la queue en haut et jamais en bas. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne m'en prendrai pas. Maintenant, si nous voulons réussir à vaincre le diable, nous devons apprendre à prêter attention à ce qui se passe dans nos pensées. Et je crois parfois que nous ne prêtons pas assez attention à beaucoup de choses. Nous sommes plutôt, vous savez, beaucoup de trucs nous dépassent. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie et pourquoi j'ai perdu ma paix. Eh bien, avez-vous jamais pensé à vos pensées? Vous savez, si vous êtes déprimé et découragé, pensez à vos pensées. Je vous dis la vérité, c'est très très difficile d'être malheureux quand vous avez des pensées heureuses. Amen. Eh bien, je ne peux pas contrôler mes pensées. Si, vous le pouvez. <laughs> je le peux, vous le pouvez. La Bible nous enseigne que la pensée est le champ de bataille. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Nous sommes dans une guerre. Amen. Beaucoup ont reçu Christ ce soir. Bienvenue à la guerre. Peut-être que vous pensez, eh bien minute, j'ai déjà une guerre, je ne veux pas en avoir une autre. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la guerre que vous aviez avant, vous combattiez tout seul. Maintenant, vous avez un guerrier puissant de votre côté. Une armée d'anges. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Donc vous êtes dans une guerre, mais le jeu va être complètement différent maintenant. Complètement différent. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Les armes de notre guerre ne sont pas des armes charnelles, de chair et de sang. Donc disons que si elles ne sont pas des armes naturelles, charnelles, elles doivent être des armes spirituelles. Cela veut dire que ce n'est pas comme un pistolet avec lequel vous tirez sur le diable. C'est une arme qui ne fonctionne que par l'esprit. Et cela veut dire que vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est pas une arme que vous prenez dans votre placard ou que vous prenez dans le tiroir de votre coiffeuse. C'est une arme spirituelle. Dieu est esprit. Nous sommes avant tout des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps, mais nous sommes des esprits. Le diable est un esprit. Les anges sont des esprits. Et nous devons apprendre qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui affectent le royaume spirituel. La guerre où nous sommes est une guerre spirituelle. Nous faisons la guerre spirituelle et les armes de notre guerre ne sont pas des armes charnelles, de chair et de sang, ce sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser et détruire des forteresses. Une forteresse... Et un domaine où l'ennemi gagne du terrain et se retranche. Le diable aime bâtir des forteresses dans nos pensées. Il aime occuper des zones dans notre pensée. Des zones où il ment et il ment et il ment et il ment jusqu'à nous convaincre que le mensonge est la vérité. Et le problème avec le mensonge qu'on doit comprendre, c'est que même si c'est un mensonge, si nous croyons que c'est la vérité, il devient la vérité. Ce que nous croyons est extrêmement important. Que croyez-vous au sujet de votre passé, au sujet de votre avenir Que croyez-vous au sujet de ce que Dieu pense de vous Que croyez-vous au sujet de qui vous êtes en Christ Que croyez-vous avec ces armes, nous renversons des arguments et des théories et des raisonnements. Toutes ces choses viennent contre votre pensée. Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive, tout objectif qui ne s'accorde pas avec Dieu, toute pensée qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, nous la faisons captive pour l'amener à obéir au Christ Jésus, le Messie. J'ai un livre qui est très populaire depuis 17 ans et il est intitulé ⁇ Le champ de bataille de la pensée ⁇ Je suis toujours absolument choquée et stupéfiée des ventes de ce livre. Eh bien, c'est parce que nous savons que nous avons des problèmes avec nos pensées et nous ne voulons pas avoir ce genre de problème. Et Dieu nous dit que nous devons apprendre à renouveler notre pensée et à penser différemment. Je vous demande donc d'apprendre à avoir vos propres pensées. Ne pensez pas à tout ce qui vous tombe dans la tête. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est de vous et que vous en prenez la propriété, mais comprenez que si ce que vous pensez ne s'accorde pas avec ce que dit Dieu, c'est le diable ou un démon qui travaille pour lui qui vous la met dans votre pensée. Vous devez dire ⁇ arrière de moi, Satan ⁇ Amen Ce n'est pas vrai et je ne te crois pas. Non mais quand vous dites ⁇ arrière de moi, Satan ⁇ ce doit être parce que vous vous attendez à ce qu'il s'en aille vraiment. Une femme faisait des courses et son mari lui a demandé de ne plus acheter de vêtements. <laughs> Parce qu'elle avait déjà tellement de vêtements dans sa penderie. Elle lui a promis de ne pas en acheter. Au centre d'achat, elle est passée devant un magasin et il y avait une jolie robe dans la vitrine. Elle devait absolument entrer et l'essayer. Il n'y avait pas de mal à l'essayer. Elle l'a tellement aimée qu'elle a senti qu'elle devait l'acheter. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand son mari a vu le sac de la robe, il n'était pas content. Elle a dit, chérie, je l'ai essayé et elle me va si bien. Satan m'a tenté et j'ai dû l'acheter. Et son mari a dit, tu aurais dû prier tout de suite, arrière de moi, Satan. Elle a dit, j'ai fait ça et il m'a dit que la robe était meilleure de derrière qu'elle ne l'était de devant. <laughs> Donc, quand vous dites arrière de moi, Satan, ne jouez pas au plus fin. Si vous voulez vous débarrasser du diable, vous devez vraiment le vouloir. Vous sentez-vous comme un soldat La Bible dit que nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Vous comportez-vous comme un soldat 2 Timothée 2, 4. Paul dit, personne en s'engageant dans... L'armée ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Personne en s'engageant dans l'armée ne s'embarrasse. Nous allons écrire le mot s'embarrasse en majuscule. Ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. Cela veut dire que vous êtes là. Vous menez votre vie, vous devez faire face à certaines choses, mais vous ne devez pas vous en embarrasser. N'encombrez pas votre vie de trucs, n'encombrez pas votre pensée de trucs qui préoccupent le monde. Car son but est de satisfaire et de plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous avons un travail à faire pour Dieu. Je crois que si Dieu n'avait pas un travail pour vous à l'instant où vous avez été sauvé, il vous aurait pris au ciel. Il vous aurait pris d'ici. Dieu veut donc votre adoration. Le plus grand respect que nous puissions témoigner à Dieu, c'est de l'adorer. Je vais juste vous mentionner ceci. Je n'essaye de réprimander personne. Mais faites de votre mieux quand vous allez à l'Église, d'arriver là en avance pour être là pour l'adoration. Je crois que ce n'est pas bon de penser que ce n'est pas une partie importante, que ce n'est pas une partie importante est de vouloir arriver là pour le sermon ou qu'il n'y a pas de mal à arriver en retard. je peux dire que je n'essaie pas de vous réprimander mais peut-être que c'est ce que je fais. je ne sais pas. je peux me permettre certains trucs que parfois vos pasteurs ne peuvent se permettre parce que je serai parti samedi et vous m'aimerez de nouveau lundi matin donc. vous savez. mais vous voyez c'est quelque chose que nous faisons pour dieu. nous venons pour l'adorer. nous venons pour le respecter en l'adorant. Et c'est pour nous une chose merveilleuse à faire, adorer Dieu. Nous ne devons pas, en fait, nous embarrasser des choses du monde. Et rappelez-vous que nous sommes là pour servir Dieu, pour grandir, pour mûrir, pour aller dans le monde et être une lumière brillante qui dissipe l'obscurité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une vie transformée. Et un serment plus important que toutes les paroles que vous puissiez jamais prononcer. Vous pouvez aller prêcher aux gens et leur dire qu'ils devaient croire en Dieu, mais si votre vie ne le confirme pas, ils ne vous prêteront aucune attention. Amen. Donc nous devons aimer Dieu, nous devons l'adorer, nous devons être des lumières qui brillent. Pour lui. Et s'il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut que nous fassions dans notre vie, nous devons veiller à le faire, non seulement le commencer, mais le commencer et le finir. Mais nous ne pouvons pas faire ça si nous sommes embarrassés. Certains d'entre vous sont tellement embarrassés des problèmes des autres personnes que vous ne pouvez même pas prêter attention à ce que Dieu essaye de vous dire en ce moment. Certains d'entre vous sont des réparateurs. J'aime résoudre les problèmes des autres et je dois faire attention et ne pas me laisser entraîner dans leur désordre à tel point que cela absorbe mon énergie et m'empêche de faire les choses que je crois vraiment que Dieu veut que je fasse. Vous devez aider les gens, mais ne vous laissez pas entraîner à tel point que vous faites dix appels téléphoniques par jour et vous parlez toute la journée de leurs affaires et de leurs problèmes. C'est bon d'aider les gens, mais vous devez être capable de discerner. Est-ce quelqu'un que l'ennemi utilise pour me voler mon énergie et mon temps, ou est-ce quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide Amen. C'est un bon mot, un bon petit conseil, car l'ennemi peut même utiliser des gens bien intentionnés pour épuiser votre énergie si vous le leur permettez. Nous devons être forts pour vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Essayez de faire des choses comme aller vous coucher la nuit et dormir comme il faut. Ça vous étonnerait de voir que cela vous aide à résister à l'ennemi. Essayez de ne pas manger des cochonneries. Vous serez stupéfié de combien vous vous sentirez mieux. Si vous vous sentez mal, vous n'aurez pas envie de prier. Si vous vous sentez mal, vous n'aurez certainement pas envie de monter la garde comme un soldat. Les soldats vivent sur leur garde. Ils savent ce dont ils sont responsables dans la guerre. Ils occupent leur poste, ils occupent leur position et ils restent de garde. J'ai compris il y a longtemps que je suis appelée comme enseignante dans le corps de Christ. Je me consacre donc à ce que je suis appelée à faire et je fais de gros efforts pour ne pas laisser les gens m'amener à faire un tas de trucs qu'ils voudraient que je fasse mais qui n'ont pas grand chose à voir avec ce que Dieu veut que je fasse. Et je crois que ça m'aide à mieux le faire. Car tout le monde veut toujours que vous leur fassiez ce qui leur plaît. Mais Dieu veut que vous fassiez son travail. Proverbe 4, 23 dit ⁇ Garde ton cœur avec diligence. Gardez-vous votre cœur Est-ce que vous prêtez attention à ce qui entre dans votre cœur Ne permettez à aucune offense d'y rester. Si vous avez été blessé, ne transformez pas ça en amertume et ne le mettez pas dans votre cœur. Ne laissez pas la colère rester dans votre cœur. Prenez un peu de temps et examinez votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Est-ce que mes motifs sont bons pour ce que je fais Est-ce que j'ai un cœur pur devant Dieu Garde ton cœur avec diligence, car de lui viennent les sources de la vie. Vous êtes agressif ou passif Vous êtes dynamique ou vous réagissez simplement est-ce que vous attendez jusqu'à ce que vous ayez un problème et ensuite vous essayez de vous fortifier Ou est-ce que vous restez toujours fort Est-ce que vous imposez votre autorité sur l'ennemi quand vous avez un problème ou est-ce que vous marchez dans votre autorité tout le temps Est-ce que vous devez avoir quelqu'un pour vous motiver ou êtes-vous motivé par vous-même Est-ce que quelqu'un doit venir vous remonter votre manivelle et est-ce que vous faites toute une histoire pour y aller? Ou est-ce que vous faites ce qu'il faut quand personne ne vous voit? Amen. Soyez une personne résolue. Soyez une personne qui vit intentionnellement. Est-ce que vous vous levez le matin pour attendre de voir ce qui arrivera avant de décider ce que vous voulez faire Les gens me font prescrire quand je dis ⁇ Vous allez venir demain ?⁇ Je vais attendre pour voir de quoi demain sera fait. Eh bien, vous ne viendrez pas ici. Vous devez être intentionnel. Faire les choses exprès. Et vous devez savoir que chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui va vous profiter spirituellement ou vous aider à grandir en Dieu ou vous aider à être une bénédiction à quelqu'un d'autre, l'ennemi va certainement essayer de vous arrêter. Même si vous commencez à prier sur un certain plan, Dieu vous a mis quelque chose dans le cœur pour lequel il faut prier. Et vous croyez que Dieu vous montre que si vous priez pour ça, vous serez exaucé et cela vous prendra dans un nouveau domaine de bénédiction. Je peux presque vous promettre que les premiers jours, vous aurez l'impression que vous régressez au lieu de progresser. Car l'ennemi veut vous faire croire que ça ne marche pas. Avez-vous prié pour quelqu'un et qu'il a été pire? ou que le diable vous a chuchoté à l'oreille, ça ne marche pas. Pour qui te prends-tu Mais vous savez ce qui arrive en fait Quand vous priez, Dieu commence à travailler sur cette personne, et elle est vraiment pire parce qu'elle est maintenant sous la conviction. <applause> Êtes-vous désinvolte ou prudent Êtes-vous offensif ou défensif. Ce soir, je parle de quelques armes offensives. Dans le reste des sessions, je vais parler plus d'armes défensives, et Dieu nous donne les deux. Il nous donne des choses pour pourchasser le diable, et il nous donne des choses pour nous protéger quand le diable vient contre nous. Je devrais dire ceci-là parce que j'ai une grande variété des gens dans mes réunions et bien sûr des gens qui nous regardent à la télé dans le monde entier. Peut-être que vous n'aimez pas ces propos sur le diable. Vous dites j'aimerais mieux ne pas parler du diable. Eh bien le diable aimerait qu'on ne parle jamais de lui. Il aimerait qu'on ne sache jamais qu'il est réel. Je suis allé à l'église pendant probablement dix ans sans jamais même écouter un message sérieux sur mon ennemi numéro un, Satan. Je n'avais pas la moindre idée qu'il était quelque chose d'autre qu'un personnage d'Halloween dont on achetait le costume qui avait une longue queue et une fourche à foin et qui était rouge. Je n'avais pas la moindre idée que j'avais l'autorité, que j'avais la puissance. Et je suis là pour vous dire ce soir que vous avez un Dieu qui vous aime et qu'il y a une guerre qui se déroule dans les lieux célestes. Et l'ennemi, le dragon, Satan, sera... Complètement et totalement détruit et enchaîné dans l'endroit qui lui a été préparé. Mais en ce moment, nous combattons dans une guerre, mais Dieu est de notre côté. Nous ne devons pas être désinvoltes, nous ne devons pas être paresseux, nous ne devons pas être passifs, nous ne devons pas être des chrétiens somnolents. Le Seigneur soit loué. Vous devez être vigilants et vivants et vibrant, et passionné, et plein d'ardeur. Vous devez garder la tête haute, savoir qui vous êtes, être rempli de la parole de Dieu, dire la parole de Dieu, aimer Dieu, aimer les gens. Eh bien, tu sais quoi, Joyce, ça demande vraiment beaucoup de travail. <laughs> Écoutez-moi, ne regardez jamais quelqu'un qui a toutes sortes de victoires dans sa vie pour penser ⁇ Oh, si seulement j'avais cette vie ⁇ Puis-je vous dire qu'il ne l'a pas eue par les souhaits <laughs> Je ne suis pas là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie avec Dieu et dans ce ministère parce que je l'ai simplement souhaité. Quelqu'un d'autre ne peut pas toujours affronter votre Goliath à votre place. Dieu vous a oint pour être roi. Mais avant de pouvoir être roi, il va falloir faire face à Goliath. Il va falloir lui faire baisser les yeux. Il va falloir apprendre à lui parler. Et il va falloir savoir qui vous êtes et qui est de votre côté. Amen C'est triste de penser que certains ne savent même pas qu'ils ont un ennemi. Et pourtant, beaucoup ne le savent pas. Si vous ne croyez pas que le diable est réel, prenez votre concordance et cherchez Satan, le diable, le dragon, Lucifer. Nous devons écouter ce genre de truc. Nous devons nous rappeler que Dieu est de notre côté, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous avons la puissance et nous avons l'autorité. Je veux vous lire quelques versets. Nous n'allons en lire que deux ou trois, mais un chrétien doit être sur ses gardes, doit vivre sur ses gardes. Luc 12-15 dit, gardez-vous de toute avidité et convoitise. Vous devez vous garder quand Dieu commence à vous bénir matériellement et financièrement, d'avoir un esprit avide et de vouloir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et plus. C'est pourquoi veillez à ce que plus vous avez, plus vous donnez. Amen. Plus vous avez, plus vous donnez. Plus votre vie est meilleure, mieux vous traitez les autres personnes. Chaque fois que Dieu vous bénit, partagez-en toujours une partie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est un des secrets du don. Peut-être que Dieu nous dit de donner toujours des prémices de ce qu'il nous donne dans la vie, de toujours donner d'abord, parce que c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité et la convoitise, qui sont des choses terribles à avoir. Eh bien, j'espère et je prie que vous soyez déterminés à vivre avec un but, savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Je vous encourage à être sur vos gardes parce que nous sommes en guerre. Toutefois, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous avons tout l'équipement spirituel dont nous avons besoin pour gagner cette guerre. Armé et dangereux, soyez alerte, soyez vivant. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change, je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi. Comme quoi, tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessé et brisé. dans une guerre, mais nous ne devrions jamais être si insensés pour penser que Dieu ne nous a pas laissés équipés. Vous ne devez jamais craindre le diable, vous ne devez jamais rien craindre de ce qu'il essaye de vous faire, car vraiment et sincèrement, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de ce que vous endurez en ce moment, vous ne devez pas croire que vous êtes la queue de quoi que ce soit, car la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue en haut et jamais en bas. Vous dites, eh bien, ce n'est pas ce que je sens. Vous ne devez pas suivre vos sentiments. Tenez-vous ferme dans la parole de Dieu et dites, la Bible dit que même au beau milieu de mes batailles, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au beau milieu de vos batailles, n'oubliez jamais que Dieu vous aime profondément, énormément. Et qu'il a un très bon plan pour votre vie. Il y a des personnes ici ce soir, vous devez prendre ceci et vous devez l'avaler. Ne le laissez pas voler par-dessus votre tête. Vous avez des choses qui se passent, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous faites face à des choses et vous êtes, vous savez, hmm. peut-être que vous êtes venu ici ce soir avec l'espoir que je vous remontrerai le moral et je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux vous équiper et que vous arriverez par la parole de Dieu au point où vous ne serez pas toujours celui qui doit être encouragé, mais celui qui encourage les autres. La seule raison pour laquelle nous déprimons tellement quand nous avons des problèmes, c'est que nous craignons de ne jamais pouvoir nous en débarrasser. Nous craignons de ne pas avoir ce que nous voulons dans la vie ou de devoir attendre beaucoup plus longtemps que nous ne croyons que nous pouvons attendre. Nous croyons que ce que quelqu'un nous a fait nous est injuste et il se peut que ce soit le cas. Mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supportera pas que les gens blessent ses enfants s'il demeure ferme dans sa parole. Si quelqu'un me blesse et que j'ai une attitude amère et que je refuse de lui pardonner, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me délivre. Je ne verrai pas la justice de Dieu dans ma vie si j'ai cette mauvaise attitude. Mais si, par sa grâce, je joue le rôle qu'il m'a demandé de jouer, Dieu me rendra toujours justice dans ma vie et il vous rendra toujours justice dans votre vie. Écoutez-moi, si quelqu'un vous a blessé, Dieu est un Dieu de justice et il vous rendra le double pour vos ennuis si vous tenez bon dans sa parole. Est-ce que vous me comprenez Vous devez comprendre ça. Vous êtes plus que vainqueur. Peut-être que vous pensez en ce moment que vous êtes en bas, mais la Bible dit qu'au beau milieu de toutes ces choses, non pas quand elles sont finies, mais au beau milieu de toutes ces choses, et c'est le meilleur moment pour ouvrir votre bouche et dire, je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. As-tu entendu ça, diable Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. La tête et non la queue en haut et jamais en bas. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne m'emprunterai pas. Un chrétien doit être sur ses gardes, doit vivre sur ses gardes. Luc 12-15 dit ⁇ Gardez-vous de toute avidité et convoitise ⁇ Vous devez vous garder, quand Dieu commence à vous bénir matériellement et financièrement, d'avoir un esprit avide et de vouloir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et plus. C'est pourquoi veillez à ce que plus vous avez, plus vous donnez. Amen. Plus vous avez, plus vous donnez. Plus votre vie est meilleure, mieux vous traitez les autres personnes. Chaque fois que Dieu vous bénit, partagez-en toujours une partie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est un des secrets du don. Peut-être que Dieu nous dit de donner toujours des prémices de ce qu'il nous donne dans la vie. De toujours donner d'abord, parce que c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité et la convoitise. Qui sont des choses terribles. À avoir. Quand vous êtes avide et cupide, vous ne pouvez même pas être reconnaissant de ce que vous avez. Vous voulez plus. Matthieu 16, 6. Gardez-vous bien du levain des pharisiens. Ce levain dont il parlait était de revenir vivre sous le légalisme plutôt que de vivre dans la vraie liberté que Christ est mort pour nous donner. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions vivre sous des règles et des réglementations et des lois que les gens nous font. Il veut que nous soyons libres pour être menés par le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, qui nous mène toujours à une vie de sainteté. Mmh. Matthieu chapitre 10, verset 17. Prenez garde de ceux qui s'opposent à Dieu. Faites attention qui vous fréquentez. Marc 13, 23. Prenez garde à vous-même. Vous devez vous connaître, connaître vos faiblesses, connaître vos forces. Luc 17, 3. Prenez garde les uns aux autres. Quand vous voyez quelqu'un commencer à transiger sur un certain plan, priez pour lui. Quand vous voyez quelqu'un traverser une période difficile, priez pour lui. Un des meilleurs moyens de nous entraider, c'est de prier tout de suite quand nous voyons quelqu'un avoir un besoin. Vous ne devez pas toujours faire un serment à tout le monde et raconter à quelqu'un d'autre Oh, j'ai remarqué qu'un tel traverse une période difficile aujourd'hui. Non, si Dieu vous permet de remarquer qu'un tel traverse une période difficile, vous devez prier tout de suite. Dieu, je te demande au nom de Jésus de le fortifier. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il traverse une période difficile. Et donc, je le couvre. Je te demande de l'aider dans toutes ses difficultés. Maintenant, vous avez servi Dieu. Mais ce que nous faisons si souvent, c'est de parler de choses au lieu de parler pour les choses. Nous devons être sur nos gardes, nous devons prêter attention aux pensées qui entrent dans notre tête, nous devons prêter attention aux sentiments que nous avons. Eh bien, d'où est-ce que ça vient Eh bien, c'est quoi tout ça Arrêtez-vous et dites Dieu, quelle est la source de ça Quelle est la vraie raison de ce problème une nuit, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas dormir. 4-5 heures du matin, je ne pouvais pas dormir et d'habitude, je dors très bien. Donc finalement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais finalement, j'ai dit, Dieu, mais quel est le problème Car je sentais que le Saint-Esprit ne me laissait pas tranquille. Et immédiatement, Dieu m'a montré quelqu'un envers qui j'avais été impoli la veille. Et j'ai dû m'excuser auprès de Dieu et ensuite, quand il était temps de le faire, je me suis excusée auprès de lui. Mais il y avait une raison pour laquelle je ne dormais pas bien. Donc au lieu de dire, je ne sais pas, je ne dors pas bien, je me demande pourquoi, demandez à Dieu. Peut-être qu'il vous dira, tu as bu trop de café trop tard la nuit. Vous savez, Dave avait du mal à dormir une fois la nuit et quand il est allé à Dieu, Dieu lui a dit, tu bois trop de boissons gazeuses. Je n'ai rien contre les boissons gazeuses, mais Dave allait au drive-in et il achetait ce grand truc de 900 millilitres tous les jours et il le buvait et cela l'empêchait de dormir. Demandez à Dieu ce qui ne va pas chez vous. <laughs> Allez Certains ne veulent même pas savoir. Je ne vais rien lui demander, peut-être qu'il me le dira lui-même. Je prêche mieux que vous ne réagissez, il va falloir vous revigorer. Il faut être responsable. Ne vous contentez pas de dire, vous savez, je ne sais pas ce qui me fait cet effet. Vous savez, vous savez, ma pensée est attaquée. Vous devez ouvrir votre bouche et dire, diable, je te réprimande. Arrière de moi. Allez prendre votre Bible, ouvrez-la et lisez à haute voix jusqu'à ce que vous retrouviez la tranquillité d'esprit. Parce que ça marchera si vous faites ça. J'étais blessé une fois et j'étais vraiment fâché, fâché contre Dave. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous n'entrez pas dans la pièce où il est. Quand il entre dans la pièce où vous êtes, tout s'embrouille et vous êtes comme. Vous ne lui parlez pas, vous ne dites rien, vous n'êtes pas prêt de faire pour lui ce que vous faisiez normalement. D'habitude, si vous alliez apporter quelque chose à boire, vous lui apportiez quelque chose, mais pas maintenant. Non, je ne vais rien faire pour toi. Vous voyez, j'ai appris après une bonne trentaine d'années dans la parole que ça ne marche pas dans l'économie du royaume. Tout ce que je faisais, c'était d'ouvrir une porte au diable. La Bible dit ⁇ Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas une opportunité au diable. Ne lui donnez pas accès. ⁇ Mais je me sens si pâché et je me sens si blessé. Nous commençons à jouer le jeu du blâme. Vous ne devez jamais vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Nous ne sommes responsables que de notre rôle. Vous ne m'avez pas entendu. Pensons-y de nouveau. Disons ça à nos téléspectateurs. Vous ne devez jamais vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Vous n'êtes responsable que de votre rôle. Jouez votre rôle et Dieu s'occupera toujours de vous. Si vous jouez votre rôle, Dieu est juste et il s'occupera toujours de vous. Bien sûr, l'ennemi voulait que je reste fâché toute la nuit et que je perde ma paix et que je perde ma joie. Mais j'ai pris ma Bible et je suis entré dans ma pièce qui était mon bureau à l'époque. Je me suis couché sur le plancher. Je me suis mise face contre terre. J'ai fourré mon nez dans cette Bible. Et j'ai dit, Dieu, je veux que tu saches que je ne vais pas me lever d'ici ni quitter cette pièce avant que tu ne me donnes la grâce de sortir par cette porte et de me comporter comme une femme de Dieu et de parler à mon mari. Amen. Et j'y suis allée. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire. Ah, oh, les trucs que je fais pour vous, messieurs, dames. Vous ne devez pas dire, je regrette de me sentir comme ça, mais Dieu aide-moi à ne pas me sentir comme ça. Non, je veux que vous ayez le feu sacré au-dedans de vous ce week-end. Dieu vous a amené ici pour que je puisse attiser ce feu, attiser ces braises qui sont peut-être sur le point de mourir ou de s'éteindre. Eh bien, c'est si dur. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. 1 <laughs> Thessaloniciens 5, 6. Il dit, ne dormons donc point comme les autres, et ça ne parle pas d'aller se coucher la nuit, mais soyons vigilants, alertes, attentifs, prudents et sur nos gardes, et soyons sobres, calmes, posés et réfléchis. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est le genre, eh bien, quoi que ce soit. C'est en fait quelqu'un d'intentionnel qui vit avec résolution. Il a décidé d'avoir absolument la victoire et il ne va avoir rien d'autre que la victoire. Amen. L'apôtre Paul a dit, mon but déterminé, c'est de le connaître. Si seulement je connaissais Dieu comme tu le connais. Non, vous devez être déterminé. Assez déterminé pour aller vous coucher la nuit, pour vous lever le matin, aller passer ce temps avec Dieu et le connaître plus. Est-ce que quelqu'un sent une douce chaleur l'envahir au moins La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,15 que l'homme spirituel juge de tout, il s'enquête, met en question, examine et discerne toutes. Chose, si nous voulons vivre dans la victoire, nous devons nous arrêter de somnoler. Amen Prêtez attention aux petites incitations du Saint-Esprit. Prêtez attention au discernement que vous avez en vous. J'ai traversé quelques trucs durant ma vie. Proverbe parle maintes et maintes fois de la sagesse et de la prudence. Et du discernement et de la sobriété. Ce sont quatre mots des plus merveilleux, et je me permets de dire que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent dire. C'est la capacité de choisir entre le vrai et le faux. Le discernement est quelque chose que vous pouvez avoir au très fond de vous et qui va vous protéger si vous l'écoutez. Un matin, la semaine dernière, j'étais debout dans mon bureau. Je portais une longue chemise de nuit. Je n'étais pas encore habillée pour la journée. Donc voilà, vous savez, une image pour vous, Joyce en chemise de nuit. Et j'avais quelques Bibles car j'allais faire un peu de télé ce jour-là. Et donc j'avais deux ou trois Bibles que je devais prendre au bureau. Et j'avais ma tasse à café vide. Je portais ma petite tasse à café vide. Et donc, quand je suis arrivée à l'escalier, j'ai eu cette petite pensée sage. Je devrais saisir cette chemise de nuit et la remonter pour ne pas pour ne pas m'empêtrer les pieds et trébucher. Mais j'ai pensé ah. ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez ah. donc j'ai commencé à descendre l'escalier et j'ai failli tomber. J'ai dit au Seigneur que j'étais désolée. Ce qu'il y a, c'est que la grâce de Dieu m'a sauvée cette fois. Il est miséricordieux. Mais vous savez quoi C'est ma pensée. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je ne descendrai plus jamais ces escaliers sans remonter cette chemise de nuit si je la portais. Parce que je crois que maintenant que je sais et que j'ai vu la miséricorde de Dieu, si je continue à faire quelque chose d'idiot, à ce moment-là, je risque, et si je tombe, à ce moment-là, ce ne sera pas Dieu qui dit, tu ne m'as pas écouté, je vais donc te faire tomber de l'escalier. Mais quand nous n'écoutons pas Dieu et que nous savons que nous n'écoutons pas Dieu, quand vous ne savez pas est une chose, mais quand vous savez en est une autre. Si nous n'écoutons pas Dieu, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est de sortir ici, en dehors de sa protection, là où nous sommes à découvert devant l'ennemi. Nous disons toujours, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... Je sais que je devrais faire ça, mais... <laughs> je sais que je devrais aller me coucher, mais... Demain, quand vous serez fatigué, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du diable, c'est votre faute. Et vous savez, je n'essaye pas d'être la maman de tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que je le fais, mais... J'essaye de vous aider. J'essaye de vous montrer que certaines de ces petites choses simples et pratiques que vous savez, que vous devriez ou ne devriez pas faire, peuvent vraiment faire une grande différence dans votre vie. Une différence majeure dans votre vie. La guerre spirituelle ne doit pas être difficile. Vaincre le diable ne doit pas être difficile. Dieu nous a donné des armes. Il nous a donné des armes offensives, des armes avec lesquelles nous pouvons poursuivre l'ennemi. Nous ne devons pas attendre qu'il vienne contre nous pour nous défendre. Nous pouvons l'attaquer nous-mêmes. Et il y a trois choses trois choses simples, fondamentales, que chaque croyant devrait apprendre avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre à part Dieu même. Et ce sont la puissance qui est dans la parole de Dieu, la puissance qui est dans le nom de Jésus et la puissance qui est dans le sang de Jésus. Ces trois armes sont offensives nous pouvons les utiliser pour poursuivre le diable agressivement, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, arrière de moi, quand le diable nous attaque, ou simplement pour le garder à sa place, c'est-à-dire sous nos pieds. La parole de Dieu. Je me rends compte de plus en plus dernièrement à quel point... La parole de Dieu est puissante. Non, mais elle est puissante. Nous pouvons chanter la parole, prier la parole, dire la parole, apprendre la parole. La parole de Dieu est une chose étonnante. Et je me suis fixée d'apprendre aux gens. Et je vais essayer de faire ça dans chacune de mes conférences, certainement, et j'espère le faire dans toutes les sessions. Comme quoi, quand quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, comme je fais ce week-end, il y a une onction sur cette parole. Jésus est la parole. Amen. Et donc, quand quelqu'un partage la parole de Dieu avec vous, il ne partage pas des paroles ordinaires. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous allumez votre télé et que vous recevez la parole, ce n'est pas des paroles ordinaires ces paroles sont remplies de puissance elles sont remplies de puissance nous prenons des vitamines parce que nous croyons qu'elles ont quelque chose en elles qui va nous aider eh bien vous devez prendre la parole de dieu ne vous ne vous ne vous asseyez pas comme eh bien je suis venu pour écouter ce que joyce a à dire ce week-end vous allez à l'église je me demande ce que le pasteur a à dire ce week-end vous ouvrez au premier verset, vous l'avez souligné, donc vous pouvez le repérer. Ah, je connais celui-là. <laughs> non, mais nous devons être attentifs. Vous devez écouter. Vous devez prendre quelques notes, peut-être, ou si vous écoutez quelque chose que vraiment, oui, j'en ai besoin. Achetez-en une copie, écoutez-la à plusieurs reprises. Mais je veux vous dire quelque chose. Quel que soit, ce que je prêche, je crois que si vous libérez votre foi, vous pouvez recevoir la guérison dans un domaine de votre vie, pendant que vous êtes assis là à recevoir la parole. Quand vous êtes assis sous la louange jointe et l'adoration qui est remplie de la parole, vous pouvez recevoir la guérison. Vous pouvez recevoir la guérison physique, vous pouvez être guéri de la maladie. Psaume 107, 20, il envoie sa parole vivante, elle est guérie. Elle est guérie. Votre cœur brisé peut être guéri pendant la louange et l'adoration. Votre âme blessée peut être guérie pendant que je prêche la parole. Votre pensée peut être guérie. Vos émotions peuvent être guéries. Mais ça ne va pas arriver si vous vous asseyez là passivement. Vous dites eh bien Que suis-je censé faire Libérez votre foi. Soyez alerte. Soyez vivant. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change. Je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi en ce moment, comme quoi tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessé et brisé. Et voilà ce que je veux dire. Je crois que... Nous pouvons tous être trop désinvoltes parfois. À propos de tout ça, nous entrons d'un pas nonchalant, à mi-chemin de l'adoration. Nous dérangeons 50 personnes pour nous asseoir à notre place. Nous devons avoir une attitude respectueuse à l'égard de la parole de Dieu. Et si nous apprécions la parole plus, nous verrons la parole travailler dans nos vies d'une façon plus grande. Amen Chaque fois que le diable disait quelque chose à Jésus, Jésus lui répondait, il est écrit, et lui citait un verset. Apprenez à parler à haute voix au diable. Dieu a exalté sa parole et son nom au-dessus de tout, et il a exalté sa parole même au-dessus de son nom. Psaume 138, verset 2. Avec la parole de Dieu qui sort de votre bouche, vous êtes armé et dangereux. Le nom de Jésus. Ça alors, ô bonté divine Philippiens chapitre 2, verset 10. « Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Amen. Je vous défie d'ouvrir votre bouche environ dix fois par jour et de dire « Jésus ». Il y a une puissance dans ce nom. Et je crois honnêtement que si nous faisons plus ces choses, nous verrions plus d'exaucement dans notre vie. Jésus. Commencez quand vous vous levez le matin. Le premier mot qui sort de votre bouche, Jésus. Ensuite, attendez une minute. Vous pourrez presque sentir l'onction reposer sur vous. Vous savez, nous apprenons de la parole de Dieu que ce nom qui lui a été donné et qui nous a été donné maintenant, ce même nom, nous avons une procuration pour l'utiliser. Vous pouvez utiliser ce nom. Ce nom représente tout ce qu'il est. Eh bien, j'espère et je prie que vous soyez déterminés à vivre avec un but. Savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Je vous encourage à être sur vos gardes, parce que nous sommes en guerre. Toutefois, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous avons tout l'équipement spirituel dont nous avons besoin pour gagner cette guerre. phương trời vẫn nhớ tới quê hương người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cha.